Bonjour, une association qui bouge, les autochtones à Couem, présentent leur festival les samedis 25 et dimanche 26 mai. Les autochtones, ce sont donc des spectacles, mais aussi des ateliers artistiques destinés aux enfants principalement, et depuis quelque temps aux adultes également. L'association les autochtones est née en 2009, avec justement la création du Festival des Autochtones qui va célébrer donc cette année sa 5e édition. Donc avec cette volonté de promouvoir des artistes locaux, donc de mettre en lumière des artistes issus de la région, hein, avec cette idée qu'on n'a pas forcément besoin d'aller très très loin pour découvrir de très beaux spectacles. Voilà. Et donc, en profitant et en contribuant à une dynamique culturelle locale, nous avons eu l'occasion de proposer des ateliers d'éveil musicaux, tout d'abord, destinés au jeune public, et également de développer ces ateliers auprès des enfants, avec les ateliers d'initiation aux arts plastiques, à la magie, et voire même sur encore d'autres projets. On n'est pas à l'école, on ne fait pas des arts plastiques scolaires, on fait vraiment de l'art plastique qui permet à l'enfant de créer aussi, et de jouer avec les matériaux. Là, on est dans le jeu avec l'enfant, voilà, c'est intéressant. Bah, ils ont très envie de venir. Donc, ils ont très envie de venir et de revenir, et donc forcément de profiter pleinement de ces 2 heures qui leur est proposée, quoi. Nouveauté cette année, Fabienne vous en parlera mieux que moi, mais effectivement, on a aussi mis en place des ateliers d'art-thérapie, donc là pour les adultes. C'est une thérapie par le biais d'une médiation artistique, donc on a plusieurs facteurs. Moi, j'utilise la peinture et les arts plastiques, en fait. D'accord ? Voilà. Ça permet aux personnes d'être créateurs. Donc on va travailler sur sa création, son être créateur, pour que dans sa vie, ce soit mieux. Voilà, qu'il y ait un mieux-être, tout simplement. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir le médicament chimique qui va faire que la personne sur l'instant sera mieux. C'est que là, il y a vraiment un grand travail de fait de création sur sa vie et sur son art. Ça dépend les gens, hein. Il y a des gens, il leur faut que quelques séances, hein, pour se dire « mais oui, je suis capable de peindre, je suis capable de sculpter, je suis capable de faire ça aussi, et je suis capable de trouver du travail, et je suis capable d'avancer, je suis capable de dire non quand j'ai pas envie, voilà. » C'est redonner confiance, vraiment, à la personne, par le biais de sa création, quoi. Le Festival des Autochtones, c'est donc le samedi 25 mai avec musique marionnette et ambiance brésilienne samedi soir, et du théâtre dimanche 26 à 17h avec les jeunes comédiens de l'école troupe de Toury. Rendez-vous à la salle des loisirs de Couem. Renseignements sur le site internet www.lesautochtones.asso35.fr.